à tous les amis, c'est Captain Gamer. J'espère que vous êtes tous très très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur nouvelle vidéo, qu'est-ce que je dis ? Première vidéo, les indestructibles de Lego. Voilà, Lego les indestructibles. Donc c'est un des dessins animés de mon enfance. Donc là, je commence le mode libre directement. Donc là, on a les zones qu'on peut débloquer avec différents objets. Donc pour les débloquer, on peut débloquer des briques dorées, etc. Donc pour les débloquer, les zones comme ça, il faut faire des zones de crime. Qu'on va s'y rendre tout de suite en prenant un véhicule. Alors les personnages, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Je vais prendre sur Indestructible un personnage principal pour le premier épisode. Voilà. Donc c'est parti. On va prendre voiture. Allez, on est parti. Donc je suis très content de faire ce let's play avec vous. Parce que vraiment c'est un dessin animé de mon enfance et que 14 ans après, vous rendez compte, 14 ans après, ils reprennent le let's play dessus. Franchement c'est extraordinaire. Enfin, le film est sorti, je vais bientôt aller le voir au cinéma. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, donc voilà. Chaque fois qu'on m'a fait... Alors là, donc comme je dis, il y a des pièces ici. La nouvelle vient de tomber. Après son attaque injustifiée au parc de New Urbem, Folamour a fait un retour explosif sur le devant de la scène. Lui et son gang de mimes s'éclatent en braquant des banques et en déposant des bombes partout dans le quartier financier de Municiberg. Le pillard, au visage maquillé, exige une rançon exagérément conséquente où il réduira le quartier en cendres. Je suis moi-même choquée par l'insolence de Folamour. Si je puis m'exprimer ainsi. Ok, donc apparemment c'est Folamour qui a pris avec des bonnes intonations partout. Donc on va sauver cette ville avant de vraiment attaquer le livre, style il faut prendre les briques dorées, débloquer les endroits. Ok, donc vague de crime activée. Ok, donc ça c'est les endroits de crime, je pense. Hop. Allez, donc on va faire la première mission. Oh merci, Folamour et son affreux gang de mimes ont braqué ma banque. C'est effrayant ce qu'ils sont silencieux. Ok, d'accord. Acceptez la mission. Oh, voilà d'autres. Il faut les arrêter. C'est un grand plaisir de faire le jeu Lego. Je suis prêt à offrir de l'or, de l'argent liquide ou un stylo avec une chaîne. Allez. Allez à la banque de... C'est parti. Alors, je suppose que c'est ici. Ah oui, d'accord, c'est en caméra. Ceci. Caméra de la banque. Mais pourquoi on peut pas prendre l'argent en même temps? C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Oula, ils sont violents. Attends, on va faire attaque spéciale. Donc, les let's play. Ils vont durer entre 20 minutes et 30 minutes, on verra. Comme ça, vous allez prendre plaisir à regarder les let's play. Oula, on prend les pièces parce que comme ça, grâce aux pièces, on pourra acquérir au bout de faire les x2, x3,
fois 3800 à la fin. Fois 3840 à la fin des pièces. Et ça va. Le dernier s'échappe. Porter un max de thunes. En tout cas, c'est une sensation vraiment excellente de faire des let's play comme ça. Je sais pas, j'ai toujours rêvé de faire comme Steam. Et voilà, que qu'on avait un nouveau départ sur la chaîne, voilà, je suis très content. En tout cas, j'espère que la qualité est bonne. Ah, il faut le rattraper. Ah, bien. Et... oh, même pas. Alors, là... désolé pour les bruits de fond. Hein. Désolé pour les bruits de fond. J'ai pas encore mon vrai setup. Yes. Une brique à construire. Ok, donc là on doit prendre le biais. Donc comme je le dis, j'ai pas encore mon vrai setup, donc il y a des bruits extérieurs, c'est sûr. Oh merci. Je suis sûr qu'ils auraient dépensé l'argent de mes clients en maquillage et en t-shirt rayé. Désolé, en fait, je n'ai pas le droit d'offrir quelque chose qui vienne du coffre. Mais voici un témoignage de ma gratitude. Et une brique dorée en plus. Génial, mission terminée. Une sur trois. Ok, donc il y en a trois autres à faire. Ah non. Il y en a deux autres à faire. Acte criminel en cours. Au secours, ces mimes de Folamour ont volé un camion citerne de déchets toxiques. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont semé. Donc en fait, je pense qu'il faudrait ramener le camion à l'entrepôt dans le quartier sud de la ville. On se rejoint là-bas. Bonne chance. Accepter la mission. Ah oui, d'accord, c'est du slime vert. Oula. Allez, on est parti. Alors, trouver, puis stopper. J'ai pas eu le temps de lire. Ah, encore du combat. Ah oui, ça, c'est l'attaque spéciale, ça. Regardez. Ouais, d'accord. Faut éviter, parce qu'apparemment, ça tue en un coup. Alors, tournons ça. Bien joué. Maintenant, ramenons le camion citerne à l'entrepôt. Alors. Là. Prenons le camion. Oula. Excusez-moi. Oula. Ah oui, d'accord, pour se débarrasser camion, des déchets comme il faut. Merci en beaucoup. Les enterrant quelque part dans la campagne. Oh non, ça a l'air dangereux ou illégal. Je devrais me renseigner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue les aventures Lego comme ceci. Bon, en tout cas, j'adore. Ok, bon, ça va, elle se termine vite l'émission. Donc, comme normalement, on va faire une mission par zone. Normalement. C'est parti. Par ici. On n'a pas de temps à perdre.
Allez, troisième mission. Grâce au flair infaillible du lieutenant Barnaby, j'ai réussi à identifier trois lieux où le perfide Folamour aurait déposé ses bombes. Il faudrait ramener les bombes ici. On les détruira en toute sécurité. Bien joué. C'est pour ça que tu es lieutenant. Il a dit que le compte à rebours démarre dès que les bombes sont sorties de leur conteneur. Il faut les amener à l'équipe de déminage avant qu'ils n'arrivent à zéro. Acceptez la mission. Ah. 3 démorcer 3 bombes. Oula. Donc la vidéo actuelle là, elle va peut-être pas forcément sortir parce que le PC il a un bug. Il y a un problème. Non, on va casser tout ça. Déjà, il faut le tuer. Attends, on va reprendre une mission indestructible. On se reprendre. Ah non, sur cet épisode-là, j'ai dit. Je reprends un autre. Je prends monsieur indestructible. Tiens, toi. Oh, excuse-moi. Voilà, comme je le dis, il faut toujours casser aux alentours parce qu'il y a toujours un truc à construire. Ah, toujours. Normalement. Ouh. Ouais. Yes. Bravo. Et une bombe est démorcée. Allez, la deuxième, on enchaîne. Alors j'espère qu'elle n'est pas sur notre place, si elle est sur un toit. Hop là. Faut monter. Hop. Moi surtout ce que j'adore dans les jeux Lego, c'est il y a beaucoup d'énigmes. Et ça j'adore les énigmes. Ah non. Il faut une flèche. Alors. Oui. Allez, c'est parti. C'est stressant. Pour voir si elle explose. Ouais. Une deuxième. Fantastique. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils se débrouillent bien. Cassons. Ah. On peut construire ceci. Ah oui, d'accord, encore flèche. Allez, trace flèche, flèche. Hop.
Donc voilà, j'espère que ce petit let's play vous aura plu sur Lego Indestructible. Donc malheureusement, je n'ai pas fait toutes les missions parce que ça a mal enregistré. Donc je m'excuse d'avance. Donc en tout cas, vous avez vu une bonne partie. Donc likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao !